attention à la fermeture des portes. Sorti par là-bas aussi, hein? Ou bien? Bon. Le PC a tous les jardins, vous pouvez vous mettre au fond des galeries. Oui. En attendant les jardins. Thank you.
On a porté le Michel. Évidemment, les stars sont les premiers à voir le ministre de l'Église. Thank you.
Les ânes, les fourmis, non, nous sommes quand même visiblement les seuls à nous poser la question, non? La réponse est dans le fait même de se la poser. Est-ce que les animaux se posent une chaise, hein? C'est pas du honker, quoi. Une chaise qu'on n'aurait pas le droit de maltraiter. Non, mais je précise. Je tiens à dire, juste. Mais qu'est-ce que c'est? Surtout que franchement, on ne peut pas dire que ça leur ait donné beaucoup de droits nouveaux. Hein, En forme d'ordre, parce qu'on peut imaginer justement dans les sociétés admises que en fait, c'est les. Laissons de côté les âmes pour l'instant et revenons au droit. Depuis deux. Donc la frontière est vraiment clairement établie. Ah, par exemple, dans la Bible, l'humain doit dominer sur les poissons, la mer, les oiseaux. Combattre le diable au travers des animaux dans certains cas, et dans d'autres, une façon détournée de punir le propriétaire. Et pour une fois, vous dites un truc qui n'est pas de la même bêtise, ce qui est quand même assez rare. Et c'est quand même assez paradoxal, hein, parce que pour les catholiques, ces créatures. Alors, dans votre anecdote là, croustillante, ça veut dire que dans le cadre de ces procès, c'est comme si les animaux avaient une responsabilité de leurs actes et se rapprochaient des humains, du moins juridiquement. Et l'anecdote qui intéresse bien. Cette idée de fond qui est... Yes,